80 coureurs au départ de la 15e édition de la Flèche Bramanson le 23 mars 1975. C'est la 15e édition de la classique belge. Deux coureurs vont constituer l'échappée matinale, Barra et Skiers. A noter que ce Skiers ne va pas collaborer avec Barra malgré que l'échappée va obtenir jusqu'à 2 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton où va s'extraire 23 coureurs dans le secteur pavé de Hellingen. Ces 23 coureurs vont rejoindre l'échappée matinale et les distancer alors qu'on va arriver sur le circuit final autour de la montée d'Alsenberg. Tout d'abord, on va avoir une attaque de Pollentier accompagné de Dro. Ils vont être repris. Ensuite, Pollentier va sortir avec Martens et Knutemann et ils vont être également repris. Mais c'est dans l'avant-dernier tour que Pollentier va ressortir à nouveau avec Delcroix, Knutemann et Peters. Delcroix va être distancé dans la montée finale du Alsenberg, tandis que le plus rapide sur les pavés, c'est le jeune Willem Peters, 21 ans, qui décroche son deuxième succès professionnel après une étape du Midi-Libre en 1974. Il devance Michel Pollentier et Gerrit Knutemann.